Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples arrivèrent à un domaine nommé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples : Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Alors, il fut saisi de frayeur et d'angoisse. J'ai l'âme triste à en mourir, dit Jésus. Restez ici et veillez. Il s'avança de quelques pas et se prosterna sur le sol. Dans sa prière, il demandait que, si cela était possible, cette heure passât loin de lui. Et Jésus dit : Père, tout est possible pour vous. Éloignez de moi ce calice. Cependant, non pas ma volonté, mais la vôtre. Puis, il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre : Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et se remit à prier. Quand il revint une seconde fois, il les trouva encore endormis, car leurs paupières se fermaient sous le poids du sommeil, et ils ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revint et il leur dit : Vous dormez encore et vous vous reposez. C'en est fait, l'heure est arrivée. Le Fils de l'homme va maintenant être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, le traître n'est pas loin. Il parlait encore, quand survint Judas Iscariote, l'un des 12, et avec lui une bande armée de glaives et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens du peuple. Le traître avait convenu de se signaler avec eux. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui et emmenez-le avec précaution. » À peine arrivé, Judas s'approcha de Jésus. « Salut, maître !» Et il l'embrassa. Alors, ils mirent la main sur Jésus et s'emparèrent de lui. Or, l'un de ceux qui entouraient Jésus tira son glaive. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Mais Jésus prit la parole. « Suis-je donc un malfaiteur, que vous soyez venu m'arrêter, armé de glaives et de bâtons ? Tous les jours, j'étais parmi vous à enseigner dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. » Alors, les disciples l'abandonnèrent. Tous, ils prirent la fuite. Un jeune homme, cependant, le suivait, le corps enveloppé d'un simple drap. Ils le saisirent, mais lui lâcha le drap et il s'enfuit. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se réunirent au complet prêtres, scribes et anciens. Pierre l'avait suivi de loin, jusque dans la cour du grand prêtre. Il s'était assis près d'un brasero et se chauffait en compagnie des valets.
Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. Beaucoup, cependant, apportaient de faux témoignages, mais leur déposition ne concordait pas. Quelques-uns se levèrent pour porter cette accusation contre lui. Nous l'avons entendu déclarer : Je démolirai ce temple construit de mains d'hommes, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Mais leur témoignage ne concordait pas. Alors, le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et demanda à Jésus : Tu ne réponds rien à cette dernière déposition ? Mais lui, sans rien répondre, gardait le silence. De nouveau, le grand prêtre l'interrogea : Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? Alors Jésus parla : Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir dans les nuées du ciel. Et le grand prêtre déchira ses vêtements et s'exclama : Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, quel est votre avis ? Tous jugèrent qu'il méritait la mort. Certains se mirent à cracher sur lui. Après lui avoir bandé les yeux, il le giflait en disant : Fais donc le prophète maintenant. Et les valets le bourraient de coups. Cependant, Pierre était en bas dans la cour. Survint une servante du grand prêtre. Elle aperçut Pierre en train de se chauffer, le dévisagea et lui dit : Mais toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ? Pierre se mit à nier : Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Il sort de la cour dans le vestibule. Un coq chante. La servante, de nouveau, aperçoit Pierre et dit encore à ceux qui étaient là : Celui-ci fait partie de la bande. Mais Pierre nia de nouveau. Un moment après, les autres à leur tour dirent à Pierre : Mais si, tu en étais, car tu es Galiléen. Alors Pierre se mit à blasphémer et à jurer : Je ne connais pas l'individu dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de ce que lui avait prédit Jésus : Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il éclata en sanglots. Dès qu'il fit jour, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes, tout le Sanhédrin. Puis, après avoir fait garrotter Jésus, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : Tu l'as dit. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Et Pilate l'interrogea de nouveau : Tu ne réponds rien. Écoute un peu toutes ces accusations qu'il porte contre toi. Jésus ne répondit plus rien, et Pilate en était fort étonné. Or, à chaque fête de Pâques, il avait l'habitude de relâcher un prisonnier,
celui que le peuple demandait. Il y avait alors en prison un nommé Barabbas, détenu avec ses complices pour avoir commis un meurtre au cours d'une émeute. À peine arrivé, la foule commença à réclamer la grâce qu'il leur accordait habituellement. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Car il se rendait compte que c'était par jalousie que les prêtres l'avaient livré. Mais ceux-ci excitèrent la foule à réclamer la liberté de Barabbas. Pilate reprit la parole. « Que dois-je faire alors de ce roi des Juifs ?» Un cri monta de la foule. « Crucifie-le !» Pilate leur demanda « Mais quel mal a-t-il donc fait ?» Ils n'en crièrent que plus fort « Crucifie-le !» Pilate alors voulut donner satisfaction au peuple, il leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Les soldats l'emmenèrent dans la cour du tribunal et réunirent toute la cohorte de gardes. Ils le couvrirent d'un vêtement écarlate, tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui enfoncèrent sur la tête. Puis ils s'inclinaient devant lui. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, lui crachaient au visage, faisaient devant lui des genuflexions en guise d'hommage. Quand ils eurent fini de se jouer de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Chemin faisant, ils obligèrent un passant à porter la croix. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. On conduisit Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire « lieu du crâne » ou « calvaire ». Là, on voulut lui faire boire du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Après l'avoir mis en croix, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort la part de chacun. C'était la troisième heure quand on le crucifia. L'écriteau qui indiquait le motif de sa condamnation portait ces mots. Roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Ainsi s'accomplissait cette parole de l'Écriture, « On l'a mise au nombre des scélérats. » Les passants l'insultaient. Ils disaient en hochant la tête, « Eh, toi qui détruis le temple et le rebaptises en 3 jours, sauve-toi donc toi-même et descends de la croix. » De leur côté, les grands prêtres et les scribes se moquaient de lui. « Il a sauvé les autres !» Mais il ne peut pas se sauver lui-même. Ce Christ, roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, quand nous l'aurons vu, nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'accablaient d'injures. Lorsqu'il fut midi, les ténèbres couvrirent toute la terre, et cela dura jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?»
À ce cri, quelques assistants remarquèrent. Il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson amère, la fixa à l'extrémité d'un bâton et lui offrit à boire en disant « Nous verrons bien si Élie va venir le délivrer. » Alors, Jésus poussa un grand cri et il expira. Alors le voile du temple se déchira de haut en bas, en deux morceaux. Quand le centurion qui montait la garde au pied de la croix vit Jésus expirer en poussant ce cri, il dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi un peu plus loin des femmes qui regardaient. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Joseph, et Salomé, qui l'avait suivi durant son séjour en Galilée pour le servir, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir était venu, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathie, membre influent du Sanhédrin, qui lui aussi attendait le royaume de Dieu, eut l'audace d'aller trouver Pilate et de lui demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Il fit venir le centurion pour lui demander s'il était déjà mort. Sur sa réponse affirmative, il permit à Joseph de prendre le corps. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix, l'ensevelit dans le linceul, et le déposa dans son caveau, taillé à même le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau.